La scène que vous avez sous les yeux est une reproduction d'un tableau intitulé « Les jeux d'enfants ». En réalité, cette œuvre mesure 118 cm de hauteur sur 161 cm de largeur. Elle a été réalisée en 1560 par un artiste flamand, Peter Bruegel. Le thème choisi est complètement nouveau. En effet, Peter Bruegel était né en pleine Renaissance, époque où les peintres ne s'intéressaient guère aux gens ordinaires et encore moins à leurs enfants. Alors, pour la première fois dans l'histoire de la peinture, un artiste décida de représenter des enfants d'artisans et de paysans jouant dans la rue et sur la place publique d'une ville. Le tableau est d'une extraordinaire richesse de détails. Notre regard ne sait où se poser. Il doit circuler tout doucement pour que rien ne lui échappe. Parfois, il faut s'approcher pour mieux voir. Nous avons comparé cette œuvre à un inventaire à la Prévert, car Bruegel a représenté ici 84 dieux et son tableau fourmille de personnages. Essayez de vous amuser à les dénombrer. Attention! Vous avez 10 secondes. Alors, vous avez la réponse? Nous en avons compté 246. Enfants qui fabriquent des petits moulins avec des noix. Enfants qui font des bulles. Qui jouent avec des osselets de moutons. Enfants qui s'amusent avec des tonneaux. Qui souffle dans une vessie de porc, qui pousse un cerceau. Les jeux d'imitation étaient également nombreux. On représentait un cortège nuptial, une procession. On jouait au magasin. Mais c'est l'équitation qui était à l'honneur, car n'oublions pas qu'il s'agissait du moyen de transport de l'époque. Regardez ces enfants, assis sur une clôture, un fouet à la main. Regardez ceux-là, à califourchon, sur le dos de leurs camarades. Regardez enfin cet individualiste qui caracole sur son magnifique cheval-bâton. Sans aucun doute, Bruegel devait observer inlassablement le monde dans lequel il vivait pour représenter tous ses jeux et tous ses enfants. Mais où sont donc passés les adultes? En fait, dans ce tableau, il y en a deux. Pas facile de les retrouver dans cette foule. Bruegel serait-il le précurseur des fameuses bandes dessinées? Où est Charlie de Martin Handford? Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez admirer cette peinture, il vous suffit de prendre un train, un avion ou une voiture et de vous rendre à Vienne en Autriche, au Kunsthistorisches Museum, plus simplement le musée des Beaux-Arts. Cet extraordinaire musée regroupe 14 tableaux de Peter Bruegel, soit un tiers de ses peintures. Encore un détail. Pour découvrir les œuvres des grands maîtres italiens, cet homme n'a pas hésité une seule seconde à parcourir des milliers de kilomètres à cheval pour se rendre en Italie. Une magnifique collection de dessins témoigne de son passage dans les Alpes. Alors, bon voyage à tous les curieux en quête d'art. Mais où sont donc passés les adultes? Il faut absolument que je les retrouve. Mais c'est bien sûr, j'ai deux idées où ils sont. Finalement, c'était un...